bien, c'est mon boulot, ça. On leur montre pas l'exemple aux jeunes, quand même, tu sais. Parc des Buttes Chaumont, un cycliste de 5 ans s'apprête à vivre un grand événement. Encouragé par son père et par sa maman, il va faire du vélo comme les grands.
Il empoigne son guidon, c'est parti pour le grand frisson. Sans les petits trous qui stabilisent, va falloir qu'il improvise. Notre équilibriste s'élance sur la piste. Il tombe. Retombe. Les paumes incrustées de gravier, ça fait mal et puis ça pique. C'est surtout vexant de tomber en public. Il va pas remettre les petits trous, ça serait pire que tout. Attention, il enfourche son bolide et c'est reparti pour la chevauchée intrépide. Au premier coup de pédale, il bascule et puis ça falle. Il fait rien qu'à l'énerver ce vélo qui fait que tomber. C'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps. Un coup de pied dans le porte-bagage, ça change rien, mais ça soulage. Serment des parents, c'est vilain de faire des colères. Et faut être patient et avoir un bon caractère. Mais s'énerver c'est légitime, faut se faire respecter des machines. Avec mon scooter, je connais les mêmes déboires. Quand il démarre pas, je lui donne des coups de casse dans les phares. Alors ce gosse, faut pas le gronder, c'est le vélo qui a commencé. Il s'élance dans la descente, maintient le cap avec adresse. Il dévale la pente, tangue et se redresse. Et prend de la vitesse, les jambes à l'horizontale. Le guidon tremble, il vibre, il sautille sur la selle.